Bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Très heureux de vous retrouver ce vendredi fin d'après-midi. Nous sommes avec Hélène Pavamani, notre élue qui s'occupe de toute la transformation du centre-ville, mais aussi des anciens combattants, mais aussi du formidable patrimoine de Corbeil-Essonnes. Et puis Olivier Defrecourt, de ce magnifique collectif Palissade, il nous en dira un mot tout à l'heure. Nous sommes devant le moulin Hutto parce que c'est le week-end des 41e édition des Journées européennes du patrimoine. Depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons avec Hélène décidé de prendre à bras-le-corps la mise en valeur, l'histoire de ce formidable patrimoine de la deuxième ville du département qui est Corbeil-Essonnes. Donc voilà, cet après-midi, je vais demander à Hélène de nous dire quel est le programme de ces journées à Corbeil-Essonnes. Bonjour à tous et à toutes. Nous aurons un programme très riche et très varié. La thématique de cette année pour les Journées européennes du patrimoine, ce sont les connexions et les itinéraires. Donc, nous avons, avec l'aide des associations patrimoniales qui sont nombreuses à Corbeil, essayé de construire un programme. Donc, vous pourrez vous promener dans 13 points différents de la ville. Peut-être avez-vous eu le flyer qui vous guide au travers des différentes actions proposées. Et vous aurez trois thématiques de parcours, un parcours historique, des parcours historiques plutôt, des parcours nature et des parcours artistiques. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir des lieux insolites de Corbeil et Essonne. N'hésitez pas à rejoindre les associations locales qui s'investissent beaucoup dans ces moments-là, hein. Et sachez que la ville de Corbeil-Essonnes rejoint les grandes manifestations nationales. Nous avons eu rendez-vous au jardin en juin. Nous aurons la Semaine nationale de l'architecture où il y aura aussi un programme. Et ce week-end, il s'agit donc des Journées européennes du patrimoine. Merci Hélène. Tout ce programme est sur le site de la ville de Corbeil-Essonnes. Et donc, parmi ces manifestations, il y aura, c'est samedi soir, je crois, voilà, une installation, comme on dit, du collectif Palissade. Sur le moulin Hutto, on devine derrière des installations. Un petit mot, Olivier Defrecourt, l'un des cinq artistes de ce collectif. Bah, un mot très court, c'est une installation qui vous permettra en fait de découvrir ce que plein de gens se posent comme question, c'est comment est l'intérieur de ce moulin. Donc voilà, c'est une installation à la fois poético, ludico, artistico, et voilà, qui dure une vingtaine de minutes. À Et quelle heure? ça se passe à 20h samedi Samedi soir. soir. Voilà, rendez-vous. Merci. Donc, nous sommes rue Lavoisier. Donc, venez samedi soir à 20h. Je pense que vous en aurez plein les mirettes. Et puis, surtout, aussi, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre, puisque je dévoile pas, mais je crois qu'on comprendra ce qu'il y a à l'intérieur de ce moulin, ce qui s'y est passé ces dernières décennies, quelle était l'origine de ce moulin. Je pense qu'il y aura aussi des émotions avec ces artistes. Si vous aviez suivi l'une des journées du patrimoine, il nous a fait découvrir les anciens ateliers Giron rue Avenue de Chantemerle, et c'était aussi une très très belle installation. Il y avait eu aussi des choses, la tannerie avenue Carnot. Voilà, c'était là. Donc, voilà. Je suis très très heureux, en tout cas grâce à Hélène, elle l'a dit aussi à de nombreuses associations, eh bien que Corbeil-Essonnes s'inscrive dans cette dynamique de la mise en valeur du patrimoine de notre ville. Avant de parler de ce qui se passera aussi cette semaine, un mot, d'abord il y a eu plein de choses passionnantes à Corbeil-Essonnes cette semaine. Un petit faible pour cette grande course de l'égalité qui a eu lieu cette semaine avec encore belle association corbeil-essonnoise qui s'appelle Espoir. 550 élèves des écoles de Corbeil-Essonnes ont couru,
ont couru pas pour être le plus fort, ont couru pour l'égalité. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont encadré ces élèves. C'était dans le parc Chantemerle, des très belles images aussi sur le site de la ville et ma page Facebook. Merci aussi aux enseignants qui les ont accompagnés. Une des actualités moins drôle de la semaine, c'est qu'on a appris avec nos conseillers départementaux Alexandre Macquestio et Fadila Chourfi, lundi matin, il était convenu, comme pour d'autres villes, que le département acte le versement de subventions pour ce qu'on appelle les contrats terres d'avenir. Tout ça était acquis, 1,5 million pour la place du Comte-Aimont, 2,4 millions d'euros pour nos ateliers municipaux qui verront le jour en face d'IBM. Et puis, je crois que la difficulté des finances du département a désespéré le président, mais je crois que ce n'est pas une méthode d'enlever de l'argent prévu pour les communes. Je crois qu'on le retrouvera. Nous sommes tous en train de se mobiliser, les maires, de nombreux élus, pour que, en tout état de cause, les communes ne soient pas les victimes des problèmes financiers du département. Donc, j'ai bon espoir qu'on récupère évidemment cet argent. C'est une question de délai parce que cet argent, nous en avons besoin maintenant pour que les travaux de la halle se fassent bien concomitamment à ceux de la place, auberge de l'Essonne. Et puis, nos agents ne peuvent plus attendre. Ils travaillent dans des conditions indignes dans des ateliers municipaux. Voilà, je ne vous raconte pas tout, mais il y a une grande mobilisation essonienne pour que le département, d'abord, soit aidé. Sûrement, il en a besoin. Mais que d'autres choix budgétaires soient faits. Et ça ne peut pas être un président qui, dans son coin, revient sur des engagements financiers en direction des communes. Voilà, donc, à suivre. Je crois qu'on en reparlera la semaine prochaine. Il y aura aussi donc mardi, dans le cadre de la révision du PLU, des ateliers ludiques et participatifs qui auront lieu à la Halle d'Essonne. C'est après la Halle d'Essonne, autour de l'hôtel de ville, d'accueillir ce second atelier de 18h à 21h. Mercredi, ça fonctionne bien. Cinquième rendez-vous des grandes lessives. Là, c'est le pôle gare, rue de Seine, jusqu'à la rue Pierre-Sémard, qui va être complètement nettoyé. Conseil municipal le soir à 18h à l'hôtel de ville. Jeudi, on a une nouvelle concession qui s'est installée sur Corbeil, la concession Ford dans la ZAC des Coquibus. Elle sera inaugurée à 19h. Et puis vendredi, c'est le démarrage de la semaine bleue avec notre pôle senior. Et puis à 18h, vendredi prochain, eh bien, moment musical Adlib, inauguration de la deuxième saison d'Imagine Radio. Voilà, ça continuait de bouger à Corbeil-Essonne. Voilà, moi je serai vous samedi soir 20h, je viendrai devant ce moulin Uteau. Et puis vraiment, toute la richesse de ce programme qu'a concocté Hélène avec nos services et les associations. Belle soirée, bon week-end à vous toutes et tous.